Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Her Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Her Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Her Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Her Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Her Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Her Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Her Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Her Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Her Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Her Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Her Hari Her Hari Bonsoir, nous voilà ensemble pour une méditation un peu particulière dont le but est justement d'attirer le meilleur à soi. Et il y a quelque chose de tout à fait possible dans ce souhait d'attirer le meilleur à soi, mais il y a aussi quelque chose de très contre-intuitif. Je pose juste la guitare, puis on va commencer cette méditation. Et c'est pas un hasard si, quelquefois, on aimerait attirer justement le meilleur, et puis ça marche pas vraiment. Mais il y a une raison à ça. C'est pas du tout quelque chose de, qui arrive comme ça par hasard. Voilà, je suis en train de préparer en même temps que je te parle la musique. Tu verras, il y a quelque chose de très contre-intuitif, et justement, cette méditation va t'aider à... Je suis en train de relâcher les muscles de mon cou. Cette méditation, j'étais en train de dire, va t'aider à vraiment comprendre comment attirer ce que tu désires vraiment. Pour de bon. Cette fois-ci, pour de bon. Voilà. On va commencer par, comme dans toute méditation, je crois, on va commencer par
simplement se centrer et amener notre attention sur la respiration en imaginant que l'air qu'on prend descend de plus en plus profondément à l'intérieur. Voilà. Et à chaque inspire, ça descend un petit peu plus profondément. Et la magie, c'est que plus ça descend profondément, plus tu te sens détendu, complètement relaxé. Et ça, c'est formidable, ça fait énormément de bien. Et je vais juste te demander de poser ton attention sur ma voix et puis aussi de laisser flotter ton esprit, tu vois, sur cette musique que tu entends au loin, ce petit tapis musical comme ça, qui n'a pas de limite, qui est une surface très vaste. Voilà. Laisse-toi vraiment entraîner à l'intérieur de toi-même. Regroupe ton énergie, rassemble ton énergie et même ta pensée, referme-la sur toi-même. Juste histoire de voir comment tu te sens. Reprendre contact avec toi, ça c'est un préalable très important. Voilà. Tu peux, si tu le désires, poser ta main gauche sur ton chakra du cœur et puis ta main droite par-dessus. L'inverse, si tu es gauchère ou gaucher. Pose tes pieds bien à plat par terre et relâche tout. Voilà. Laisse comme une lueur commencer à s'éclairer dans ton esprit, tout doucement, ne force rien. Et cette lueur, elle commence à grandir. Et elle a un lien étrange avec ta respiration. Un peu comme si, à chaque inspiration, à l'intérieur, ça devenait plus lumineux et de plus en plus lumineux, du coup. C'est une sensation extraordinairement agréable et qui amène plus que de la détente ou de la relaxation, ça amène déjà de la paix intérieure. Comme si tout d'un coup, tout ce qui te préoccupe, tes contrariétés, tes soucis peut-être, en tout cas ce que tu as en tête en ce moment, lâchait prise, comme si ça avait moins d'importance tout d'un coup. Et ça c'est dépendant du fait que tu te rassembles à l'intérieur. Alors, il se passe certainement des choses à l'extérieur, mais pour l'instant, laissons cela si tu veux bien. Et profitons de ce moment extraordinairement paisible, calme. Voilà. Ouais. Moment de calme. Moment de bienveillance avec soi-même. De paix. Comme si tu atteignais un univers où les mots conflit, combat, lutte, brutalité, violence, mensonge n'existaient pas, n'avaient aucun sens. Ici, à cet instant, tout est pur, simple,
originel. Et ça fait un bien fou. Un petit peu comme quand on va dans la nature sauvage, où l'homme n'a rien transformé, n'a rien touché. Et il y a une harmonie extraordinaire. Et j'aimerais que tu te connectes à cette harmonie et que tu la laisses pénétrer à l'intérieur. À chaque inspiration, prends cette harmonie. Inspire-la, prends-la. Et plus tu vas réussir ce processus, plus tu vas réussir à prendre cette harmonie, plus ça va venir harmoniser à l'intérieur, dans ta poitrine, autour de ton cœur, dans ton corps physique, tes poumons, ton foie à droite, ta rate, même tes reins derrière, ta nuque, et même, miracle, tout ton cerveau se trouve éclairé. Dans le sens de plus ouvert, moins égotique, plus sage, plus calme, plus à l'écoute peut-être, simplement à l'écoute. Et ça c'est important parce que le processus que on a engagé pour attirer le meilleur à soi va démarrer avec l'écoute. L'écoute d'un désir, d'un souhait, mais quelque chose qui est vraiment important pour ta vie, pas un objet quelconque, ou plutôt quelque chose de fondamental pour toi, quelque chose qui va rendre ta vie plus belle. Peut-être rencontrer un partenaire de vie, rencontrer l'amour, peut-être obtenir une promotion dans ton travail, peut-être changer de travail, peut-être trouver un travail qui te convienne. Peut-être déménager, si tu habites en ville, aller habiter à la campagne, par exemple. Quelque chose de cet ordre, quelque chose qui fait que ta vie n'est plus une routine, n'est plus une suite d'habitudes, de devoirs, de contraintes, mais quelque chose de choisi et quelque chose avec une connotation comme ça joyeuse, tu vois. Et dès que tu touches du doigt ce désir, cette chose, ce meilleur que tu veux attirer à toi, dès que tu commences à avoir ça, eh bien, on va s'aider de ce petit bol tibétain qui vient vraiment du Tibet pour le coup, petit bol lingam avec sa petite pointe à l'intérieur, qui est un merveilleux, merveilleux bol tibétain pour le chakra du troisième œil. Et je vais te demander peut-être de légèrement masser comme ça, à peu près deux doigts, tu vois, dessus, au milieu du front, dessus des sourcils, commencer à masser un petit peu, très très légèrement, cette zone du troisième œil pour y amener ton attention, ta conscience. Et finalement, ton énergie, essaye l'énergie de ton attention, essaye de la concentrer en ce lieu. Et je vais juste compter à rebours de 5 jusqu'à 1. Et quand j'arriverai au chiffre 1, ce sera comme si ton troisième œil s'ouvrait pour regarder non pas à l'extérieur, tu as déjà des yeux pour ça, mais
pas regarder à l'intérieur de toi-même. Essayons ça, si tu veux bien. Allez, 5, 4, respire bien, 3, 2, prendre une bonne inspiration, et 1. Voilà. Et là, tu peux peut-être sentir quelque chose de singulier, une sensation particulière, comme si tu étais en prise avec toi-même, avec la partie vitale, avec la vie à l'intérieur de toi. C'est extraordinaire. Et cette vie, elle est en lien avec ton cœur, ton corps, ton mental, mais aussi ton âme. Ces quatre parties de toi-même qui ne font qu'un, qui font l'être que tu es. Et c'est comme si tu venais d'établir un lien subtil grâce à ton troisième œil avec cette énergie de vie, cette énergie qui est vibrante, qui est une fréquence comme ça, vibrante, qui anime toutes les cellules de ton corps, mais qui anime aussi, ça c'est extraordinaire, qui anime tes émotions, tes sentiments dans ton cœur, et là toute logique nous échappe, et qui anime aussi l'énergie de ton âme, cette partie supérieure de toi-même, cette partie plus spirituelle, peut-être plus reliée à l'infini, à l'espace, à l'univers, à Dieu peut-être, ou à une forme divine, quelles que soient tes croyances, ta façon de voir les choses. Et maintenant que tu es en lien avec la partie vibrante de toi-même, je le redis, la vie, c'est-à-dire cette énergie qui t'anime, hein, cette énergie qui t'anime a besoin d'un contexte favorable pour s'épanouir, pour se réaliser, pour se sentir bien, pour être en santé, pour être en amour. Et du coup, cette partie de toi, cette vie, réclame l'harmonie, la paix, la beauté, l'amour, la compassion devant quelque chose de poignant. La joie, le partage, l'échange avec tes frères et sœurs humains, c'est important, c'est même fondamental. Et maintenant, cette chose importante pour toi, à vrai dire, ce qu'il y a de plus important pour toi, que peut-être tu n'oses même pas formuler, que tu penses, que tu considères comme un rêve, mais qui n'arrivera jamais, on n'est pas dans un conte de fées. Alors, c'est vrai, tu as raison, on n'est pas dans un conte de fées, mais... on est capable, avec notre pouvoir personnel, de créer en grande partie notre vie. Mais pour ça, un peu comme dans une arène ou un stade de foot, il y a besoin de se lever des gradins et d'avoir la force, le courage, l'audace de venir dans l'arène ou de venir sur le terrain et d'oser toucher le ballon. Essayez de marquer le but, parce que les seuls qui risquent de marquer un but sont ceux qui sont sur le terrain. Tous ceux, c'est les plus nombreux, qui sont dans les gradins, n'ont absolument aucune chance de marquer un but, jamais. La seule opportunité pour marquer un but, pour accéder à ce que tu souhaites,
est de venir sur le terrain, de passer à l'action. Ça demande du courage, oui, c'est vrai. De l'audace. Un petit brin de folie, mais ce grain de folie qui correspond au fait de faire ce que tu ne fais pas d'habitude, en fait. Ce qui va changer quelque chose dans ta vie, c'est faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. Et ça va entraîner, comme c'est l'effet papillon. On dit qu'un battement d'aile de papillon peut déclencher un ouragan de l'autre côté du globe. Et là, je ne sais pas si ça va déclencher un ouragan, mais le fait de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne fais pas d'habitude, va te faire rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouveaux lieux, peut-être lire d'autres livres, d'autres revues, fréquenter d'autres lieux, regarder d'autres vidéos, d'autres films au cinéma. Et ça va changer ton regard sur les autres, sur ton environnement, sur le monde et finalement sur toi-même. Et ça, c'est le début de quelque chose de nouveau qui peut arriver dans ta vie. Mais tu en seras le déclencheur. Et tout commence par faire quelque chose que tu ne faisais pas d'habitude. Qu'est-ce que tu pourrais faire que tu ne fais pas d'habitude? Une chose simple. Il ne s'agit pas de quelque chose d'incroyable. Je ne te demande pas de traverser l'Atlantique à la nage. Je te demande de te rendre dans un lieu où tu n'allais pas d'habitude. De faire une vidéo sur Facebook, sur YouTube. De faire un live, de parler à tes frères et sœurs humains, de leur raconter ce que tu as envie de leur raconter. C'est un exemple. D'aller prendre un cours de danse. D'aller à la piscine, je ne sais pas. De faire un voyage, d'inscrire à un voyage, d'inscrire à un stage de développement personnel, de développement spirituel. Enfin, quelque chose que tu ne faisais pas d'habitude ou que tu n'as pas fait depuis très longtemps. Quelque chose qui t'inspire, quelque chose qui te parle, qui te ressemble, qui est en harmonie avec la personne que tu es. Ça, c'est le déclencheur. Maintenant, pour attirer le meilleur, il existe trois secrets, trois clés très contre-intuitives. Ça échappe un peu à la logique. C'est pour ça que ça n'arrive pas tout le temps. La première chose, je vais te demander de te connecter. Connecte-toi à ce qui est important pour toi, à ce que tu veux attirer à toi. Je ne redonne pas des exemples, j'en ai donné tout à l'heure. Connecte-toi à ce que tu veux attirer à toi et s'il te plaît, c'est la première clé, la plus importante. Vois cette chose déjà réalisée. Vois cette chose déjà réalisée. C'est là. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et ferme les yeux si tu ne les as pas fermés. Et imagine la scène devant tes yeux, la scène de ce que tu souhaites vraiment. C'est déjà là. Tu es dedans. Tu es en face. Tu y es dedans. Et je vais te demander de mentalement décrire le lieu où tu te trouves pour commencer. Et là, voilà la deuxième clé. La deuxième clé, c'est décris ce lieu, s'il te plaît, avec la plus grande précision. La plus grande précision. Plus tu es précis dans le lieu que tu décris, que ce soit à l'intérieur, une maison, des bureaux, un appartement, je ne sais pas, un lieu quelconque, un magasin, une entreprise, je ne sais pas. En fonction de ce que tu désires et décris ça. Et si c'est un petit peu difficile pour toi, imagine-le simplement. Les murs, comment ils sont? Est-ce qu'il y a des choses au mur, des choses écrites, des tableaux, des décorations, les luminaires, des lampes, quelque chose de remarquable,
un escalier qui monte, qui descend, des portes, je ne sais pas, des fenêtres. Comment est l'encadrement? Qu'est-ce qu'on voit par ces fenêtres? Comment est l'intérieur? Et si c'est quelque chose qui correspond à l'extérieur, la même chose dans l'environnement. Est-ce qu'il y a une forêt? Est-ce que c'est une prairie? Est-ce que c'est la plage? Est-ce que c'est la montagne? Est-ce que c'est la forêt? Voilà. Décris ça en étant extrêmement précis, s'il te plaît. Première clé. Visualise comme si c'était déjà fait. Tu es en train de le regarder, de le contempler. Deuxième chose, sois précis dans ce que tu vois, dans ce que tu entends. Peut-être y a-t-il d'autres personnes avec toi? Peut-être entends-tu des voix, des rires, des conversations? Peut-être qu'il y a de la musique, des bruits? Si c'est à la campagne, des bruits de campagne, si c'est en ville, des bruits plus urbains, industriels peut-être même. Et puis, une chose très importante aussi, ressens comment tu te sens. Alors que ce que tu souhaites intimement, peut-être depuis longtemps, qui semble être un rêve inaccessible, ressens ce que ça te fait d'y être déjà dedans. C'est fait, c'est là, c'est fait, ça y est, c'est déjà fait, c'est là, tu y es dedans. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? De la fierté, peut-être. De la joie, de l'exaltation, de l'enthousiasme. Une satisfaction. Un soulagement, peut-être. Quelque chose que tu croyais pas possible est là. Et le fait de voir que c'est déjà là, de le décrire avec précision, visuellement, les sons également, les voix, etc. Et puis, les sentiments, les ressentis, les sensations physiques, émotionnelles également. Tout ceci fait que déjà, tu t'en rends pas compte, mais ton cerveau et ton inconscient ont déjà commencé à réaligner pour se conformer à ta vision. Et le troisième secret, la troisième clé, c'est tout simplement le fait que cette vision que tu as de ton désir, de ce que tu veux attirer à toi, déjà réalisé, il va falloir que tu ramènes cette vision devant tes yeux très souvent. 2, 3 fois par jour, 4, 5, 10 fois par jour, pas pendant une demi-heure, pendant 30 secondes, une minute, revois, vois, décris avec précision, écoute, entends, ressens, et voilà. Et à chaque fois que tu imagines, crée un nouveau détail. Améliore les choses, rends-les de plus en plus précises. C'est tellement important. Pourquoi c'est important? C'est que plus tu vas décrire les choses de manière précise, les voir, les entendre, les ressentir, plus c'est facile pour ton cerveau de créer les conditions parfaites pour que ça se réalise. Et ton cerveau va tendre petit à petit vers ce que tu désires, invariablement. Et ça ne dépend que de 3 choses. Le fait de le voir déjà réalisé, le fait de le voir avec la plus grande précision et le fait de le voir le plus souvent possible. C'est une réalité. C'est pourquoi tu as probablement déjà entendu dire maintes et maintes fois, nous sommes capables de créer notre réalité, nous sommes capables de créer notre vie. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une annonce banale comme ça, pour faire de l'effet, pour se rendre intéressant.
c'est une capacité que nous avons tous et que beaucoup de personnes utilisent de manière un peu inconsciente en fait. Elles font exactement ça, de manière intuitive. Intuitivement, eh bien, elles visualisent très souvent ce qu'elles désirent et elles ne sont pas conscientes qu'elles sont en train de le construire. Et plus elles l'imaginent, plus elles en rêvent, plus elles imaginent, plus elles en rêvent, plus elles imaginent, plus elles en rêvent, plus ça se construit, c'est un truc de dingue. Tu en es capable, autant que j'en suis capable, autant que toi et toi. Et tous, on est capable de ça. On est venu au monde comme ça, pour de vrai. C'est juste que ce protocole qui n'est pas franchement compliqué, mais qui est inhabituel et qu'on ne nous a jamais enseigné. Mais je t'assure que quand tu fais ça, des choses changent. Et maintenant, souviens-toi de ce qu'on a dit au début. Quel va être le facteur déclencheur de ça? Eh bien, le facteur déclencheur, je te le redis, c'est faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. Et pas juste une fois comme ça, hop, hop, et puis, ah, non, ça y est. Hein. Fais vraiment quelque chose. Crée de nouvelles habitudes, des choses que tu ne faisais pas avant. Des gens à qui tu ne parlais pas avant. Des lieux où tu n'allais pas avant. Des livres ou des films ou des vidéos que tu ne regardais pas avant. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. C'est le déclencheur. Hein. Un peu comme quand on tourne la clé pour démarrer. Alors maintenant, ce n'est plus des clés dans les voitures, peu importe, tu me comprends. Il faut mettre le moteur en route pour avancer. Parce que sinon, tu as beau être dans la voiture avec le plein qui est fait, tu n'avances pas. Il faut mettre la voiture en route pour de bon. Et il faut passer la première. Et cette métaphore revient par rapport à mon propos à faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. Oui, ça demande, comme je le disais tout à l'heure, du courage, de l'audace, de la détermination. Mais je le redis, les seuls dans un match de football, de handball, basketball, ce que tu voudras, qui ont une chance de marquer un but ou un panier, les seuls qui ont une chance de marquer un panier sont ceux qui sont sur le terrain. Les milliers de personnes qui sont sur les gradins et les millions de personnes qui sont devant leur téléviseur n'ont aucune chance de marquer un panier. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et si tu veux vraiment attirer quelque chose qui est important pour toi, fais quelque chose que tu ne fais pas d'habitude et viens sur le terrain. Viens sur le terrain, prends un ballon et essaye de le mettre dans les buts, dans le panier, comme tu voudras. Voilà ton désir déjà réalisé, je récapitule. Vois-le le plus précisément possible, vois-le le plus souvent possible. Et quelque chose va se passer dans ta vie, je te le garantis. Et amour avec toi. À tout bientôt.